Ceux qui ne mangent que ça, malheureusement, ça ne peut pas couvrir les besoins. On ne peut pas se nourrir exclusivement de manioc au quotidien. Hein. Ça manque de tout, malheureusement. Et à long terme, c'est un décès. Voilà. En tant que chef d'établissement, notre premier rôle, c'est d'éviter que ce genre de choses arrivent, qu'il y a la mort des personnes détenues et que les personnes détenues mangent à leur faim au jour le jour, malgré le peu de moyens qu'on a. Rano tiako azo tokony 750 grammes iny avao no teny mba iny avao zany tonjanay azy. Fa ny hoe tsy fisian'izay moa iny ao tsy hitanay ny atao manaraka izay situation stockinay eto. Zay zao aloha mahatonga azy hoe tsy haiko na fournisseur fa tsy te hanome satria tsisy vola le fanjakana. Zay aloha fandinihanay azy fa tsisy zavatra hainay aloha ty. Fa zay mianjy livraison avao. Tsy afaka manao inona zany zahay ty. Zahay ty mifonja be. Tamin'io décembre io ne tena prise be misy zavatra ohatrany lalilaly misintosintona zay amin'ny vatako rehetrarehetra tena hitako hoe tena miena be mihitsiny a. Donc c'est un patient qui ne prend pas de poids depuis 4 semaines, depuis un mois. Donc nous allons le voir en consultation cet après-midi pour essayer d'évaluer, de trouver la cause de cette absence de prise de poids. 45 semaine dernière. 47. Semaine d'avant. 47. Il vient nous voir cet après-midi. Chikina. 17,5. C'est lui qui tousse. Beaucoup. Mm-hmm. Il respire. Derrière la malnutrition, il y a le plus souvent des pathologies silencieuses avec des signes masqués par cette malnutrition même. Et comme le corps ne réagit plus normalement à ces pathologies, les signes ne sont plus évidents. On va le ramener à l'infirmerie pour ausculter les poumons. Il a pris le sirop, vite. D'où l'intérêt d'une investigation médicale poussée et sérieuse pour pouvoir détecter toutes ces maladies qui se cachent derrière cette malnutrition pour guérir jusqu'au bout et la maladie et la malnutrition. Face à ces problèmes, on n'arrive pas à gérer humainement les personnes détenues parce que quand ils sont malades, c'est soit à leur famille qui fournit les médicaments, sinon c'est la mort assurée. Voilà. Et pareil pour la nutrition, s'il n'y a pas de famille de l'extérieur qui fournit en nutrition les personnes détenues, ils vont se contenter de ce qu'on leur donne qui est insignifiant. Mais on vit avec. Ah, le sakafo ne dia lafaito avao. Alao zany mba manana sakafo hafa sy nitoy. Manahaky olo mba misy longony manisy sakafo azy. Sy zako satria andeha arety eo zany malay hany regny zany efa maraindray miboaka amany pipi regny zany eo. Fano zany magnalo lavo zany dia mitogno amin'ny hazo regny.
Alors ici, c'est la prise du repas supplémentaire pour les malnutris modérés. Riz, haricots, huile, légumes, ce qui leur apporte 2400 kcal. Ce qui est malheureux, il y a des détenus qui n'ont pas de gros fautes. Ils sont là. Alors, ils viennent de loin. Ces familles sont loin, qui ne peuvent pas les visiter ici. Alors, il faut les aider un peu. Donner un peu de l'énergie, comme ça, ça monte leur morale. Pour mettre ce système en place, il faut beaucoup d'accompagnement, de formation. D'abord, il faut convaincre les partenaires, aussi bien aumônerie catholique, donc nos bénévoles, que les agents pénitentiaires, que la standardisation est importante. Qu'il ne s'agit pas juste de faire de la charité, de donner un peu à manger à celui-ci, un peu plus à celui-là, mais que tout le monde doit avoir la même ration qui est calculée en fonction de la ration pénitentiaire. Donc, c'est un repas qu'ils reçoivent une fois par jour, généralement à 3 heures du repas pénitentiaire constitué de manioc. Tous les plats ont la même taille, ont un nombre standard de louches, 3 louches de riz, une louche de haricots, une louche de légumes et une louche de sauce. On diminue énormément les risques d'erreur en standardisant les assiettes, les cuillères, les louches, les outils. Les détenus malnutris que vous voyez vont partir manger leur gamelle de façon un petit peu isolée des autres, sous surveillance d'agents pénitentiaires pour éviter les partages ou de se faire voler leur ration. Donc il faut vraiment essayer de guérir les gens en 3 mois maximum. Donc on a des résultats très corrects. Malgré le fait qu'un détenu sur 3 arrive malnutri en détention, déjà. Donc on a 33% de malnutrition à l'incarcération, ici dans cette région.